Non, vas-y, t'as raison, on va en buter un ce soir. Ferme ta gueule, va contre le mur là, tu joues trop avec nos couilles. Va contre le mur. En quoi je joue avec vos couilles, je vous ai ramené. Va contre le mur, je t'ai dit. Va contre le mur, t'as dit là. Allez. Ouais, poteau, moi je vole mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tatsu. Je veux que ma mère. Coucou Sabristi Saucisse, comment ça va mon chacal? Ça dit quoi Phil? Attends, je vais juste te dire un truc là vite fait. Quoi? Je t'ai pas vu, je t'ai pas vu depuis 3 jours, pas trop de merde. Ouais, je vais arrêter. C'est quoi ce délire? Mais t'es fou quoi, il me tape pas. Ouais. Déjà samedi, je suis rentré dans la boutique là. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai vu espèce d'enculé? Au lieu de bosser, t'étais au fond là-bas de la boutique sur un canapé à te rendre à côté de la merde là. Tu commences à me faire chier. C'est mon jour de repos le samedi. Ah ok, bon ça va alors. Ça va, ça respecte va. Un peu ton patron quand même. Ça va, ouais, ouais. Rick? Oui, très bien. Enfin, oui. Ces derniers jours ont été mouvementés, mais ça va. Il y a eu quoi? Oh, rien. Juste un garage clandestin qui me fait concurrence avec des prix. Ouais, c'est putain de balasse là. C'est ouais. Enculé couleur lavande là. Ils font de la business de mécano dans leur quartier les de merde. Les balasses, ils font du mécano? Ils sont venus attraper. Ouais, ils sont venus attraper Phallus. Ils lui ont dit maintenant, soit tu fermes ta gueule, soit on va te niquer. Et ouais, c'est des ouf. Ah ouais. Ils sont venus à 14 au garage pour essayer de me choper. J'étais devant eux dans cette tenue. Ils m'ont même pas attrapé, c'est con. Eh, Théma, ça brise enculé. Il s'est habillé. On dirait pas, il s'est habillé pour jouer à World of Tanks, cet enculé. Ouais, c'est vrai. Pourquoi t'es blessé? Ils t'ont tabassé? Ah non, ça, j'ai eu un accident de voiture. J'ai une fracture du tibia droit. Il y a des putains de. Ah non, moi, c'est bon, ils ont fini. Mais viens, il faut que je te parle un truc à propos de l'entreprise là. Wesh, Nadir. Ça brille? Ça va ou quoi? Tu m'avais trop manqué, ça fait 6 jours que je t'ai pas vu. Ben ouais, t'as vu? Ben abandon de poste, enculé. Non, j'étais parti voir si je pouvais trouver papa quelque part et je l'ai pas trouvé. T'as bien cherché? J'ai guetté devant tous les bureaux tabac. Après, j'ai pas trouvé. Eh, les boucles, faut que je vous parle d'un truc sérieux là. Quoi? Attends, enlève ta casquette. Quoi? Il est hyper beau gosse, commence pas. Emma? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il a sucé mon flow. Je me suis fait une déco. Une déco, il se prend pour Valérie Damido, cet enculé. Bon, allez, venez. Mais. Venez, faut que je vous parle d'un truc sérieux. Si notre père était là, il aurait honte de toi. Mais tu crois qu'il a pas honte de toi? T'as quand même ici à 78% de progression là, du coup. Il avait qu'à être là, mon ref. Ouais, c'est pas faux ça. Eh, enlève ton chapeau, Nadine, vite fait. Non, j'enlève pas mon chapeau. Si, vite fait, je vais faire constatationner un truc à Sabristi Saucisse. Vas-y, enlève. Attends. Enlève. Végéta. Ah, ça voilà. Fait le calvasse de fou. Arrête. Me pousse pas ta race là. Eh ben, Sabri, dans 2 ans, c'est toi ça, hein. N'oublie pas, hein. Fils de pute. Turquie ou pas? Non, en France. Là, on parle sérieux. Je me suis fait soulever par les boucles. Les traînées tacos. Tu t'es fait soulever? Ils m'ont soulevé. Ouais. Ils ont essayé de m'extirper des informations sur toi. Ils m'ont mis des claques dans la gueule, ils m'ont mis des pistolets sur la tempe et ils m'ont jeté du haut du barrage électrique là, ils m'ont jeté dans l'eau à tout nu. T'es pas sérieux? Ouais. T'as survécu? Bah ouais, j'ai nagé. T'es sûr t'as survécu? T'es sûr t'as survécu à ça? Si. Attends, non, je regarde un truc. Non, moi je pense qu'il est mort moi. Non, putain. Sérieux, je suis pas. Non. Oh, ça brille, j'ai cru voir le fantôme de fils à l'instant. Le fantôme de fils, non, je m'en dis, viens, on va aller manger un truc. Ah vas-y. Bande de lopes, ça de merde. Non, mais attends, pourquoi ils t'ont fait ça? Parce que. Ils t'ont demandé quoi? Quand on s'est fait attraper là, quand t'as fait le fou là. Ouais. Eh bah, ils ont vu que c'était moi, te rappelle pas, ils ont dit ouais, c'est fait, nana. Ouais. Le concession. Eh bah, ils m'ont attrapé ma mère et ils m'ont questionné. Ils m'ont dit ouais, dans quoi il trempe ton patron, je sais pas quoi. J'ai dit mais je sais pas moi, c'est juste mon patron. Mais comment ça, ton patron? Il savait même pas que. C'est moi ton patron déjà. Ça fait, ils m'ont reconnu? Bah, parce qu'ils ont enlevé ta cagoule quand on était par terre. Mais gros, oui, mais j'avais les dreadlocks et de la barbe et tout. J'ai changé de flow depuis. Bah, je sais pas. Et après, okay. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont fait appeler ton numéro. Ils m'ont dit, il y a marqué quoi? Et j'étais obligé de leur dire, ils mettaient des pistolets sur la tempête. Ouais, bah oui, normal. Et du coup, je leur ai dit, bah c'est Sabri, c'est mon patron. Et après, ils m'ont dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a dans quoi? Il trafique, je sais pas quoi, ma bite. Et moi, je lui ai dit, bah j'en sais rien, moi, c'est mon patron. Et après, ils m'ont dit, donne une info. Parce que tu sais, ils me faisaient tellement peur avec les pistolets, j'ai dû donner une info quand même. J'ai dit, bah, il m'a dit qu'apparemment, il voulait vous casser la gueule parce que vous lui devez de l'argent pour une Mercedes. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Ce qu'ils savaient déjà, quoi. Et après, ils m'ont dit, ah, c'est bien, tu craches des infos, Phils, alors qu'ils savaient déjà. Et après, ils m'ont dit, saute dans l'eau, là. Et j'ai sauté comme une poisson dans l'eau. Ok, mais ils vont payer ou pas du coup? Mais ils m'ont niqué la gueule, ils m'ont dit écoute, si jamais on te revoit dans des histoires bizarres, on te fume. Ouais. Moi je me suis chié dessus. On en bute un? Et moi j'ai terrible. Ce soir envie ouais. De... Chaud, non mais pour de vrai, hein. Moi j'ai envie d'en fumer un. Hein. Non putain. Ouais. Vas-y. Non, on bute personne, non. Pourquoi non. Nadir, allez s'il te plaît. Non. Pourquoi Nadir? Si c'est trop là. Allez, de l'argent. On en bute un. Ils m'ont mis des claques dans la gueule, ils m'ont jeté dans l'eau comme une serviette. En fonction de comment ça se passe, on en bute peut-être un. D'accord.
Déjà sinon on va les fumer, prends ta chaud. Ah parce que toi quand t'es pas là pendant 6 mois là, que tu te détends sur ton canapé là enculé, bah moi je suis non, tout seul. Non vas-y, si t'as raison, on va en buter un ce soir. J'sais, ah ouais j'ai envie de... Non, faut pas soir, Comment ça pas soir? Faut que ça soit en semaine B, pas tes conneries là. Ouais, et je crois qu'on est en semaine A là, non? Oh là, mais y'a beaucoup de voitures hein. Oh j'ai... Eh, vous allez me faire sombrer. Je suis trop jeune pour mourir. Arrête d'être une mouille. Et Fils, pas vraiment... Mets-moi une claque dans la gueule, réveille-moi. Tiens. Aïe. Je suis un bonhomme. Eh, hey, vas-y, mets-moi dans le quartier, je vais les fumer, là. Donne-moi, je vais sortir mon bambou, tu vas voir, je vais tirer une roquette. Je vais les mêler. Maintenant, tu m'as chauffé, chacal. Ah, ok. Et il est où, Jasmoul, là? Il est encore dragué de la... en train de draguer de la gazelle ou quoi? D'ailleurs, j'ai un pote à moi, là, qui va venir. Attends, ah oui, qui ça? Sarkhan. Mais non, lui. Ouais. Sarkhan, le mec de... Ouais, le couture, là, qui est son daron, il avait un kebab. Oui. Ouais, lui. Frère de... Ouais, de Mehmet. Ouais, oui. Ah, tu te rappelles de lui? Ouais, je me rappelle, ouais. Ouais, bonsoir. Mais non, mais c'est ton pote couture. Sarkhan, mon gars. Ouais. Ah, ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps, Ah, ça fait tellement longtemps, j'ai même oublié ton prénom ça un peu. Sabri, wesh. Ah, Sabri. Ah ouais, parce que je te disais tout le temps la blague. Ouais, des fois, quand tu frottes, ça brille. Tout le temps, excellent. Ça. Et tu me présentes pas à tes copains? C'est un monosourcil. Ouais. C'est cliché, ça. Il a une frange et un monosourcil. C'est pour délimiter mon front. Et il a un front, il fait deux doigts, c'est grave. T'as vraiment une frange et un monosourcil? Toi, t'as bien des frites à la place des cheveux. Je te présente Nadir, tu le connais, mon ouais. Grand frère. Ouais, Nadir, ton grand frère, ouais. On reconnaît tous les trois, on traîne ensemble. Et quoi, il s'appelle comment lui? Bah, Jamel, c'est notre poste, on traîne ensemble tous les trois. Ah ouais, Jamel. Ah ouais, mais Jamel, mais t'as changé. Ah ouais, t'as changé de ouf. Pute, moi. J'ai cru que tu te rappelais pas de moi. Mais toi, tu te souviens de moi? C'est quoi mon nom? Bah oui, ouais. Ton nom de famille? Ouais. Attends, Sarkhan, c'est ça? Ouais, ouais. Sarkhan Kadir? Non, Sarkhan non, Mehmet. C'est mon cousin. Ouchmout, non? Sarkhan Touf. Non, ça c'est mon oncle. C'est mon oncle, Tchelik. Avec le C et la virgule là? Le C ouais. Virgule? Ouais. Oh, ah, c'est dit. Oui, c'est dit, ouais. Eh ben, tiens. Bah, bien, Sarkhan, on va tuer des gens. Ah, bah, let's go. Allez, c'est parti. Tiens, je t'ai recruté dans l'entreprise. Bienvenue. Vas-y, venez. Oh, regarde Jackie! Biggie! Ouais. Ah, ok. Yeah, ça va quoi mon gars? Bah, viens voir Biggie, viens voir ce que j'ai trouvé de fou, wesh. Elle est où ma thune? Ouais putain, j'avoue. Oh. Non écoute man, écoute. J'ai un bon plan pour vous les man, un putain de bon plan man. Ah, de quoi vous rapporter un bon billet man. Vas-y parle. Bon, ça reste Non, va derrière le camion rouge là, le truc rouge man. Vas-y, viens. Vas-y. Ouais, j'ai mené une petite enquête là les man. Apparemment y'a des... Vous voyez c'est qui les Vagos man? Ouais. Ils vont braquer une banque man. Ah ouais? À 22h30, un truc comme ça man. On est des flics nous? Non mais écoute man. Ce que je peux faire pour vous, man, c'est que je peux. Comment dire, man? Pourrais les braquer juste derrière, tu vois, man. Eux, ils braquent l'argent, ils prennent l'argent, tout ça, man. Et vous, prenez ce qu'il y a derrière, man. Bien sûr, j'espère pour cette information, j'aurai un petit billet, moi aussi, man. Ok, mais notre argent, il est où, là? Là, je l'ai, man. Tué, man. Il est où? Faut juste aller le récupérer, man. Là, je l'ai dans la soirée, sûr, man. Là, il est quelle heure, man? Il est 22h10. J'ai 50 000 pieds, man. Ouais, ça je pense que tu me devais 45, pas 50. Je te ramène 45 000, man. Dans la soirée, man, sûr, man. Je vais une horaire. Attends, je regarde la montre, man. Il est 22h17, man. Je te ramène ça avant minuit, man. C'est long, hein. Je t'avais laissé combien de temps? 48 heures, non? Ouais, mais je vous voyais pas trop dans la vie, man. J'avais même pas votre numéro, man. Ouais. Rien du tout, man. C'est encore plus et t'as toujours pas les thunes. Ouais, mais j'ai les thunes, man. J'ai les thunes. Et je t'ai même pas tué. Parce que je les ai cachés quelque part, man. Faut que j'aille les récupérer après, man. Et c'est à quelle heure le plan, ce genre, t'as dit? Le plan, il est à 22h30, man. Là, dans. Ouais, ça tire. Dans pas longtemps, man. Tu finiras à quelle heure, tu sais? Moi, je sais pas, mais je sais juste que je vais être dans la banque, moi aussi, man. T'auras jusqu'à minuit pour venir, si t'es pas là, je te fume. C'est bon. Aïe, ah! Putain, douce. Oh, non, man! Ah! Oh, espèce d'acteur. Wouah! Un comédien, Biggie. Oh, c'est Neymar JR. Eh, vas-y. Oh, C'est travaillé, ça. Faites pas les Mongols parce que. Vas-y, tranquille. Faut pas y passer pour le con. Tu veux que je parle, du coup? Non, c'est bon. Ouais, salut. Tranquille. Ouais. Ouais, bon, je tiens à t'annoncer la nouvelle, CNT, il est dans le coma, et il est entre la vie, la mort. Ouais. C'est pour ça que c'est moi qui ai repris le relais, il m'en avait parlé, donc j'ai préféré... C'est qui CNT, celui que j'avais parlé la dernière fois, là? T'es 71-85? Je crois, ouais. C'est ça, les Herman, ou pas? Ouais, c'est ça. C'est possible, c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Un petit problème avec un autre groupe, mais je vais régler ça, t'inquiète pas. Il s'est fait tirer une balle dans la tête. Quel groupe? Les Sureños. Pourquoi?
Parce que il était trop énervé, et ils lui ont proposé de rejoindre son groupe et de me trahir, il a dit non, ils lui ont mis une balle dans la tête. Ah ouais. Ouais. C'est des machines. Ok, et tu voulais me voir pourquoi du coup? Il m'avait dit que t'allais lui passer de la plata. Ouais. Déjà, et que tu pouvais enlever les marques sur les billets, c'est vrai ça ou pas? Ouais, c'est vrai. Ok. On a de la plata un peu à te refourguer là. T'as combien? Nacho, on a combien? 600 000. Ben, vas-y. Ok, claro. Je te donnerai un point de rendez-vous. Je ramènerai les voitures avec l'argent dedans. Comme ça, au moins, on évite de se voir ensemble. Tu récupères et tu me dis quand c'est bon, t'as mon numéro. Vas-y. Et pour la plata, c'est comment? Comment ça, c'est comment? Ben, pour la plata que tu devais donner à Sienté. Je te la donnerai en même temps que tu m'enverras l'argent. Vas-y, claro. Je t'enverrai une pause. Il y aura 3 coachs avec le coffre plein. Vas-y. D'accord? Buenas. Buenas. Si t'as besoin, au cas où, on est là. Vas-y. Vas-y, buenas. Et par rapport au Trini? Quoi par rapport au Trini? Bah, à la base, on avait parlé à son Sienté pour choper des Trini et les fumer. Chaque chose en son temps, mon beau gosse. Ah, ok, moi j'ai cru que t'avais oublié bêtement. Non. Attends, mais là, ils sont venus à exactement 12-13 pour parler 2 minutes et partir. Bah, ils étaient ensemble au concert. En fait, c'est comme ça le business. Ils comme ça. Sont à 100% et nous aussi on est à 100%. Là, ils se sont présentés quoi. Excusez-moi. Ouais, ça va, Rick? Oui, très bien. Le véhicule en vitrine, il est d'occasion, il est à vendre. De policier? Non, c'est blanc et noir, oui. Ouais, il est à vendre. Tu le veux? Oui, non, il est pas vendu. C'est notre voiture, donc vous allez ouvrir. On te le vend 20 000, s'il vous plaît. On te le vend 20 000 pour un clip. Seulement pour un clip de rap. Écoutez, vous voulez quoi pour ouvrir cette porte? Un mandat? Non, donc, vous savez que si on rentre avec un mandat, vous allez avoir des problèmes. Bah, rentrer avec un mandat, et là je vous laisserai rentrer si vous avez un mandat. Vous savez que si on rentre avec un mandat, vous allez avoir des problèmes. Monsieur, on a Rimka à l'intérieur. On a Rimka à l'intérieur, il est là pour son clip. Vous prenez c'est un véhicule pour un véhicule le clip de police en otage. C'est... Non, écoute, mais c'est pour le clip de 13 blocs, fuck les keufs. Dis-lui Karimka, oui. Il est en arrière-boutique. Oh, démonte, enlevez tout là, enlevez carte grise, plaque d'immatriculation, tous les trucs là. Retirez tout. Vas-y, dans la voiture, vas-y. Donc, Phil, tu sais que tu deviens complice d'un vol de véhicule là. Mais monsieur, arrêtez de forcer, vous rappelez le bordel, c'est bon. Il arrive le mandat procureur, on m'a dit. Super, merci. Mais ça compte, dans tous les cas, il y a une puce GPS dans les véhicules de patrouille. Mais dans tous les cas, c'est 95. Bip bip. C'est un modèle d'exposition. Pas nous, monsieur, pas nous. Si c'est le vôtre, on portera. Si c'est le vôtre, on portera plein contre notre livreur qui nous l'a ramené. Montrez-moi le mandat, s'il vous plaît, montrez-moi le mandat. Il a été montré à votre collègue. À moi, vous me laissez moi le patron. Vraiment? Vraiment, oui. Regardez, je montre sur ma tablette, signé par monsieur Gonzalo Rivera, le procureur de la ville. Non, vous me l'envoyez. Je vous voulez okay. Vous me l'envoyez. Le véhicule de collection. Allez-y. De la police. Super. Quel véhicule de collection de la police? Le véhicule de collection que vous nous avez montré tout à l'heure. Il est déjà vendu, désolé. Ah oui, il était vendu, mais comment? Il n'y a pas de soucis, monsieur, vous avez volé un véhicule de police, donc allez, prouvez-le. Vous mettez tous contre le mur, s'il vous plaît. Quoi? Tous contre le mur, allez. Alors, monsieur, je veux pas vous rappeler vos... Non, vous rappelez rien du tout. Vous perquisitionnez le process, pas nous, hein. Super, maintenant vous êtes dehors. Et vous avez... Sur le mandat, nos noms sont notifiés, monsieur? Le mandat est notifié pour la voiture. Donc, non, revenez. Il y a la Monsieur, vous contrôlez le process, pas nous. Oui, contrôlez ce qu'il y a dedans, si vous voulez, mais... Vas-y, on y va, 95. Il y avait une voiture. Mais moi, j'y suis pour rien. Mais monsieur, vous êtes fou? Toi et votre patron. Et vous perquisitionnez le concès, pas les personnes humaines. Oui, mais toutes les personnes. Oui, pour récupérer la voiture. Sauf que la voiture, maintenant, dites-moi où elle est. Bah, j'en sais rien où elle est. Est-ce que moi, j'ai regardé par la vitrine. Monsieur, si vous faites un mandat, c'est pour faire une enquête. Si vous voulez retrouver votre voiture. Mais toutes les personnes doivent rester dehors. Oui, bah allez, bah enquêtez, super. Enquêtez et. Très bien, mais toutes les personnes doivent être à l'extérieur. Laissez-moi observer. Laissez faire, je vais observer. Merci beaucoup. Mais c'est enquête d'action, Zabi. Attends, Phil, laisse-les faire. Tema, ça dégaine. Tema, c'est Feyou au pied. Ils font des photos, hein, au cas où ils font de la merde. Ah ouais, mais c'est les Power Rangers là. Kiff. Ah, j'ai un problème, ça. Si, oh là. Mets ta voiture en marche arrière, comme ça mon meilleur mano il va remplir le coffre. Ok, je m'en occupe. Ouais. C'est combien de pourcent? Ça brille. 600 000, je vais te le faire à 20. C'est bon. C'est parce que c'est une grosse somme, hein.
Ouais, je sais, mais t'inquiète. Je vais pas perdre mon temps à te faire. Je vais pas te faire perdre ton temps à te faire blanchir 100 000. Ça sert à rien. Ça ne rapporte rien, ça te rapporte. Tu l'achètes comment, t'as juste la drogue? La coca. Ok. Ouais, ça marche bien? Oui, bien. Ça peut aller, ça dépend des temps. Ça dépend des clients. Et tes armes, tu t'achètes à qui? Mes armes. Biker. Et un mec qui vend des armes en ville. Je le connais pas, je sais juste qu'il vient, il vient au barrio, il nous vend des armes. Toujours aussi bavard avec les gens? Hein? Toujours aussi bavard avec les gens que tu connais peu? Pourquoi? T'es un blanchisseur, donc je connais ta tête. J'ai pas méfié, s'il y a un truc qui sort, je sais à qui m'attaquer, non? Ah, ça veut rien dire. Ouais, mais quoi, ça veut dire que le jour que quelqu'un va te poser une question sur moi, tu vas lui répondre? Tu crois vraiment que je vais répondre? Pourquoi tu réponds pour les bikers et l'autre mec en ville, mais pas pour moi? Mais est-ce que je t'ai donné l'identité de l'autre en ville? Les bikers, j'ai jamais fait de marche avec eux, je sais juste qu'ils vendent des armes. Après, ça me dérange pas que tu peux faire ce que tu veux avec eux. Okay. L'autre, je passe par lui. Et du coup, c'est qui l'autre? Je connais pas. Tu le connais pas et tu le connaîtras là, au bon moment, je crois. Il viendra vers toi, t'inquiète pas. Qui t'a dit que je le connais déjà pas? Mais attends, mais pour toi, si tu le connais alors? Je veux juste savoir si on a le même contact. Peut-être. Du coup, c'est qui? On bosse ensemble. On bosse ensemble, après on voit. Non. Tu préfères pas que ça se passe comme ça? Pierre, tu veux pas me donner d'infos? M'en donne pas, hein. C'est trop tôt. Moi, je fais des bons tarots aux personnes de confiance. Si jamais tu considères que je suis pas une personne de confiance, je peux te mettre au tarot normal, quoi. C'est la première transaction, hermano. Ça brille. Un jour, deux jours. Max 3. Un jour, deux jours. Merde. Claro. Ça va, tout se passe bien pour toi sinon en ville? Ouais. Et toi? Pas de problème. Moi, tu sais, j'ai des problèmes un peu avec tout le monde. Business, quoi. T'es chaud de me choper des Trini? Ouais, des Trini? Ouais. Ouais, y'a pas de problème. Ah ouais? Ouais, ouais, les Trini. Ils sont à côté de mon barrio, donc y'a pas de problème. Hop. T'en veux combien, hein? Le plus possible. Vas-y, je vais essayer de te faire une paire de coups, y'a pas de problème. Vas-y, parfait. Attends. Quoi? Ah, ça serait bien déjà, non? Ah, mais imagine, on a pas le bon. Ou un mec pas intéressant. Dis-moi, tu veux qui? Bah, je les veux tous, après je choisis. Ok, claro, t'as pas de préférence. Ouais. Bah, écoute, quand j'ai des armes. Mano, je te tiens au courant. Vas-y. Je t'envoie un message. Bon, allez, buenas. Vas-y, gaffe à mon argent, pour favor. Ouais. C'est dur d'en avoir. Ciao, les gars. Hasta luego. Hasta luego. Je te laisse gérer. Je te laisse gérer. Mais non, laisse... Vous voulez pas que je gère? Vas-y, Nadir. Vas-y, Jamel. Non, vas-y. Jamel. Mais jamais fait, moi. Montre-moi, tu m'as dit que c'était brosson, Jamel, je veux voir. Non, vas-y, s'il vous plaît, je suis sombre moi aussi, je veux faire sombre. Je t'ai dit que j'étais brosson. Faut leur dire quoi? Ah ouais, c'est vrai, avec les... Avec un... Ouais, ouais. Les gars, il faut leur dire quoi, genre je m'en occupe. Vas-y, Nadir, tu sais quoi, toi tu restes avec nous et tu fronces les sourcils, c'est bon? Vas-y. Sérieux? Ouais. Ça va leur faire peur, tu crois? Yo, what's up, playboy? Toi bien, tranquillement, ça se passe. Casse les couilles. Désolé du retard, y a quelques boys à moi, ils avaient la diarrhée, d'autres ils avaient besoin de pisser, d'autres... Des anormales de crâne, mais on est là. Pas de problème. Du coup, j'ai pas amené tous mes bugs, hein, ça sert à rien du tout, n'est-ce pas? Tant mieux. Ouais. Ok, dis-moi. Du coup, par rappel, je t'ai dit que j'avais un truc à te proposer. Ouais, c'est ça. Je me demandais, tu te fais des sous, toi? Bah écoute, j'essaie de me faire des sous, j'essaie de reprendre le monopole de la weed, mais ça, c'est compliqué, là, boy. J'ai quelques petites dingues. Ok, mais est-ce que tu fais des sous? Ouais, je me fais des sous, ouais. Comment tu les réinvestis? C'est-à-dire comment je les réinvestis? Comment tu réinvestis ton argent pour ton quartier? Ouais, boy. Ouais, pour les tontines, pour l'église. Et il pose pas de problème, cet argent? Il y en a, il pose problème. Il y en a, quand j'essaie de le déposer à la banque, il passe pas dans la machine. Il dit, je prends pas trop le délire, tu vois le délire? Ouais, je vois, ouais. Ouais. Ça te dirait qu'il passe? Ouais, pourquoi pas, comment?
Dis-moi comment, boy. Je vais te le dire. Dis-moi. Tu vas me le passer. Ouais. Et moi, je te passerai de l'autre. Ok. Ok, tu prends combien de pourcents? Ça dépend combien tu ramènes. Si ouais. Je te ramène 250 000. Je te ramène... C'est pas énorme, 250 000. Ouais, c'est pas beaucoup. Après, vous prenez combien minimum? Non, on prend... On prend autant que tu veux à partir de quand même une certaine somme. Mais par contre, plus tu ramènes, et plus on te ramène derrière. Ok, intéressant. Mais donc si, admettons, là, je te donne 250 000. Sur les 250... Attends, sur les 250 000, tu me ramènes combien? 30%. Ce qui donne, je suis pas fort en maths, moi. 170. Donc vous prenez, tu prends à peu près 70 000, c'est ça? À peu près 30%. Ok. Okay. Je l'ai fait de tête. Et c'est sûrement pas ça. Attends. Excuse-moi. T'as que 250 000 là? Non, là j'ai. Ouais, là j'ai à peu près 250 000. Alors, 250 000. J'ai couvert tout ça, mais je saurais pas dire exactement j'ai combien. Fois 0,7. Tu te fais combien en 48 heures? 175 pour 250 000. Combien? 175, on te ramène. Pour 250 000, 60K? 175. Ok. Ok. Et tu prends combien de jours à ce qu'ils passent dans les machines? Enfin, plutôt les échanger? 2-3 jours. 24 heures. Boy. 2-3 jours. Ah, 24 heures, c'est bon. Yeah, boy. Ouais. C'est moi ou c'est lui? C'est lui. Oh, boy. Ouais. T'as entendu ce que j'ai dit ou pas? Ouais, tu m'entends? Ouais, attends. Vous êtes bien sur l'opérateur de Dickane Murphy, laissez un message après le bip. Vas-y, c'est bon. Ok, du coup, vous prenez combien de jours à... 2-3 jours. 2-3 jours? Ouais. Ok, intéressant. Et vous avez un nom spécial Pourquoi tu veux savoir le blast? Vous revendiquez... Attends. T'as dit quoi, boy? Pourquoi tu veux savoir le blast? Tu viens, tu nous ramènes l'argent, on te ramène de l'argent, pourquoi tu... Non, mais écoute, non, comprends-moi, boy, hein. Moi, je sais pas, j'ai qui devant moi, hein. J'ai peut-être affaire à des cops ou quoi, j'en ai aucune idée, tu vois le délire ou pas? Tu me connais, moi, tu me connais. Ouais, t'as ta gueule, elle me dit quelque chose, boy. Ouais. Honnêtement, je me souviens... Ouais, dis-moi. Si t'as une meilleure alternative, passe pas par nous. Non mais écoute. Pour le moment, vous êtes les premiers à me proposer ce genre de business, mais... C'est pour ça, je sais pas si je dois vous faire confiance ou pas, tu vois le délire. Vous avez contacté d'autres mondes ou... Vous passez vers plusieurs... Je vais tirer une phrase, ok? Je vais tirer une phrase. Ouais. Bah dis-moi, boy. L'argent qui dort ne fleurit pas. C'est-à-dire, dans tous les cas, ton argent, il va pas fleurir. À part si, au cas où, je la mets pas dans le cul. Ouais, c'est ça, tu vois. Parce que moi, honnêtement, je veux bien vous faire confiance, tu vois. Mais comme tu le dis, la mettre dans le cul, moi, indirectement, je peux pas te faire confiance, tu vois. Je dois gérer un putain de hood, boy. Tu vois, je dois gérer mes tantines. Je dois gérer mes petits. Et tu vois, te dire que je te ferai confiance tout de suite, ce serait mentir, boy. Tu vois le délire ou pas? Mais après... T'es le seul en ville, hein. Bah, après, exactement, t'es le seul à m'avoir proposé ce genre de bise. Tu vois le délire? Bah c'est pour ça, autant le faire, sinon t'auras personne et ton argent il continue. Vous êtes bien sur le répondeur de Dickane Murphy. Voilà, bah, excuse-moi, on arrête pas de marceler d'appels, parce que honnêtement là il y a eu un petit souci avec mes boys. Bref, du coup ouais, vous êtes les seuls à m'avoir proposé ce genre de business, donc comment il c'est clair et net. Moi c'est Ron. Comment? Ron. C'est Ron, boy. Ok. Voilà, tout simplement. Tu vas le délire ou pas Je vois le délire maintenant, je vais te dire un truc. Ouais. Là, si tu veux me faire perdre mon temps, dis-le moi tout de suite, on se casse. Si jamais tu veux pas me faire perdre mon temps, tu me dis ok, on se cale une heure, une date, tu me ramènes la thune, et moi je te ramène la thune dans 2-3 jours après. C'est toi qui vois. Y'a que cette date. Non, vas-y. T'as confiance en moi, on travaille, t'as pas confiance en moi, on travaille pas, c'est tout. C'est bon, vous m'entendez là? Ouais, ok, bon. C'est bon, c'est carré, bah c'est bon, bah je vais te faire confiance alors. Mais honnêtement,
Si tu serais pas la seule personne qui m'aurait contacté, je pense que j'aurais refusé, mais vu que... Si t'étais pas. Ok, moi... Vas-y. Si t'aurais, si t'étais, ça marche. Et qui n'aime pas les rien dit. Ouais, ouais. Si plus imparfait égale conditionnel, c'est ça. Ça va les couilles. Bref. Si t'étais pas la seule personne qui m'aurait proposé, honnêtement, je pense que j'aurais dit non à ton bise, mais vas-y, ça marche. Ça marche, boy. Écoute, tu ramènes une somme. Pas ton max, si jamais tu vois comment ça se passe, et si jamais tu vois que ça se passe bien, bah tu ramènes plus. Vas-y, vas-y, c'est carré, boy. Bah, de toute façon, j'ai ton numéro, et puis je te rappelle dès que j'ai une grosse somme. C'est bon ? Allez, c'est bon. Vas-y, nickel. Allez, on s'attrape, on les boy. C'est une bonne soirée. J'ai ta commande complète, t'as fait une commande au aimé, toi ? Ah, les. Trini ? Ouais, les Trini, ouais. Ah, bah oui. Bah, go. C'est quoi ta commande ? C'est combien ? Bah, tous. Dis-lui, envoie pause. On en tue un ? Ouais. Vas-y. Vas-y, lui envoie la pause. T'en as un ? Eh bref, venez là en nombre vite fait devant eux là. T'en as qu'un ? Ils sont tous là. T'es qui tous ? Ouais, venez sans armes. Sans armes. Tu les voulais tous, non ? Ah ouais, ok. Ils sont tous là. T'inquiète, on va pas vous faire de mal, on s'en bat les couilles. Bon. Tu veux qu'on reste ou on part ça non, moi, non, tu peux rester si t'as rien de mieux à faire. Ouais, ouais, vas-y. Wesh. C'est quoi ça? Ah, les gars. Écoute. Allez là-bas. C'est qui le chef? Allez là-bas. Vas-y. Pêche-toi. C'est qui le chef? C'est moi, Grand Doc. Te dis un truc? Comme ça, je te cache pas. Dis pas grand chose. Si. T'as tiré dessus là, y'a pas longtemps, non? Ouais. C'est pas toi? Ouais, c'était moi. Ouais, du coup. Tu trouves ça normal? Tu nous tires dessus, on te tire dessus, c'est tout à fait normal. Est-ce que j'ai visé un de tes gars quand je t'ai tiré dessus? Ah, après moi, je sais pas. Moi, on me dit que ça tire. À partir du moment où ça tire, pour moi, ça tire. Quand tu lèves une arme sur quelqu'un, c'est pour la tuer. Dis un truc, une Mercedes blanche. Quel modèle? Modèle E500. Modèle 2005, c'est E500. Ouais. Ah, collector, ouais. Il est où mon oseille? Quelle oseille? Il est où mon oseille? De quelle oseille tu me parles? 100 000 $, t'avais une semaine, je t'avais dit. Mais je t'ai clairement dit que j'allais pas te les donner. C'était même moi qui étais venu en bas de ton quartier, j'allais dire je vais buter tes gars un par un. Si jamais tu me rappelles mon oseille, ça te dit un truc ou pas? Mais pourquoi entre temps tu t'es coiffé différemment? Problème mon look? Bah, je sais pas, moi pour moi c'est l'attitude d'un mec qui craint quelqu'un. Comment? Ou quelque chose. Non, c'était juste je préfère être comme ça. Ok, c'était choix. Du coup, tu te rappelles quand je t'ai dit que je vais buter tous tes mecs un par un chaque fois que je me ramène mon oseille? Ouais. Comment ce soir? Tu fais ce que tu songes être bon pour toi. Par contre. Réfléchis bien. Commence par lequel? Vas-y. Réfléchis bien. Choisis. Choisis lequel je vais buter. Aucun. On n'est pas obligé d'en arriver là. Il est où mon oseille? Il y aura pas. Donc là, t'es en train de me parler de ton oseille? T'es en train de me parler mais de ton oseille? Mais là, tout de suite derrière, là, mettez-vous attends, comme votre collègue. On va remettre le contexte en place. Mettez-vous à genoux là, tout de derrière, par votre chef là. On va remettre le contexte en place. Dépêchez-vous, toi ferme là. Parle pas en même temps que moi. Qui? Toi, parle pas en même temps que moi. Et tu me poses des questions. Une voiture qui arrive. Ouais, c'est avec moi. Toi, tu parles pas en même temps que moi, et vous derrière, mettez-vous comme votre collègue devant à genoux. Faut que je te mette une balle dans la jambe pour que tu te mettes à genoux, toi. Ok, c'est bon. On va te donner tes sous là. Parle pas en même temps que moi, ça fait la deuxième fois que je te dis là. Bah, tu veux tes sous ou pas? Super, ils sont où? Mais ils sortent de mon cul quoi, faut aller les chercher. Tu fais l'arrogant avec moi? On va les chercher. Tu fais l'arrogant avec moi? Quand je te pose une question, réponds à ma question. Tu veux tes sous? Oui, je veux mes sous. Donc on va les chercher. Ok, tu te fous de ma gueule. En quoi je me fous de ta gueule? Dis, tu fais l'arrogant avec moi? Pourquoi tu me réponds pas? Je te demande si tu veux tes sous. Je sais même pas par lequel commencer. Je fais pas l'arrogant. Non, votre chef là, je sais pas si tient vraiment votre vie là, les gars. Je suis contrarié et je fais comprendre ma contrariété. T'es en train de menacer tu un mec. Ouais. Un de mes gars. Ouais, tous. Et tu crois que je vais être dans des bonnes conditions? On parle pas de bonnes conditions, on parle de tenir à leur vie là. Bah, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je te dis, je vais te donner tes sous. C'est un petit gars qu'on aime bien. C'est un honnête citoyen, il est sympa, on l'aime bien, il nous a expliqué pourquoi vous l'aviez jeté. On n'a pas trop aimé, vous savez, vous emmerdez pas les petits bonhommes qui travaillent dur. Mais non, il va pas ramener les flics, wesh. Bah, écoute, quand il y a des mecs qui viennent avec d'autres mecs pour
nous tirer dessus. C'est simple, c'est simple. Tu laisses, on sait jamais, si jamais peut-être qu'il... Vous allez vous excuser, ok. Ils ont encore des gars, ils veulent... On va quoi? Vous allez vous excuser. On s'excuse pas. Qui nous a tiré dessus. Tu vas le voir, tu le fais, excuse-moi, tu m'as tiré dessus, je suis pardon. Ça va être plaisir. D'accord? Je vais embaisser mon front. Tu m'as parlé? Exactement. Attendez deux secondes. Excusez-nous de vous couper. Excusez-nous. Problème? Non, non, tranquille, j'ai vu que c'est pas trop nos histoires, tu veux qu'on reste au cas où. Je t'ai dit, c'est toi qui vois, si jamais t'as rien de mieux à faire, tu... Non, on a des trucs à faire, mais pour toi, au cas où, moi ça me dérange pas de partir. Hein. Nous, ça nous fait plaisir de voir des merdes comme ça. Mais attends, parce que je vais peut-être en tuer un au bout d'un moment. Non, je comme pense tu veux, je pense reste, on a bientôt fini. Vas-y, c'est bon, vas-y. En plus, il est parti tout seul à tout moment et il tente un truc, tu vois. Ouais, c'est bon. Ça va, top. Tu veux que j'aille m'excuser? J'irai m'excuser si tu veux. Mais il entend ton petit pote ou je sais pas quoi. Ouais, très bien. Les coups fourrés, on va dire, le petit film. Vous êtes quoi, les Trini? Ouais. Vous êtes originaire d'où, vous? On vient de partout dans les États-Unis. Ouais. République Dominicaine, etc. Ouais. C'est quoi votre domaine de prédilection? Comment ça? Votre business. Lequel dans le domaine dans lequel vous excellez, genre? C'est en vrai, dans tout, hein, en vrai, on est parfait. En fait, ça me fait chier parce que, t'as vu, votre chef, je l'ai prévenu plusieurs fois. Et plusieurs fois, je lui ai dit, ouais, là, ça va se passer comme ça, ça va se passer comme ça. Et plusieurs fois, il m'a pissé au cul. Et Écoute, on sait pas qui t'es, tu vois, on voit juste un mec avec pas de problème. Une Mercedes, tu vois, on sait pas, on voit un mec qui nous demande 100 000 balles pour une Merco, je mais t'avoue pas là. Y'a pas de problème, maintenant vous savez, mais vous pouvez pas ne pas comprendre comment ça se fait que j'en arrive là. Personne m'a dit qu'on comprenait pas, pourquoi t'en arriver là, au cas où. C'est la voiture du daron, c'est une édition limitée. Exactement. J'ai eu l'histoire 6 fois, je crois. Ah là, bah la voiture de Daron, c'est précieux. Mais non, parce que moi, mon but, c'est pas de rabaisser des gangsters. Tu vois, mais juste que les gens me respectent, en fait. Les gens nous respectent. Ouais, Mano, comme t'as dit, on est des gangsters. On habite à Vespucci, t'as vu, on n'est pas riche. 100 000 dollars, c'est énorme. Ouais, là, tu vas liquider nos comptes, boy. Le but, c'est peut-être pas de nous humilier, mais ne me t'inquiète pas devant toi, pas de cacher. Mais ouais, mais bon, en même temps, ton patron, il est pas très coopératif. 100 000 dollars. C'est comme il peut, c'est comme il peut. Tu lui demandes la possibilité. Il fait ce qu'il peut. Ouais, c'est bien, vous êtes loyal avec lui, mais bon. Là, ça s'est vraiment joué à 3 secondes, je pense. À 3 secondes, il y en avait un qui prenait une balle dans le crâne. Hein. Mais juste comme ça, ça allait être qui? Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Au hasard. Ça aurait été au hasard, je pense. Ok. Parlez bien fort, quoi, tout le monde puisse entendre ce qu'on se dit. Vas-y, c'est bon. Du coup, beau gosse. Tiens, prends tes sous. S'il te plaît. Tu me demandes s'il te plaît pour te donner tes sous. Ouais, s'il te plaît, donne-moi mes sous. Tiens. Tu rentres là? Donc n'hésite pas à parler bien fort. Ouais. Dans une semaine, je veux la même encore. Mais écoute, de quoi? Je vais pas parler. Vas-y. C'est bon, t'as eu tes sous, venons se casse. Attends. T'as compris ou pas? Oui, j'ai compris, oui. Tu crois que ça va faire ça toute la semaine? Non, juste la semaine prochaine. Non, ça va pas se passer comme ça. Ça va se passer comment? Ça va pas être si simple. C'est comment ça va pas être si simple? Et tu m'as demandé ton argent, je t'ai rendu ton argent. Maintenant, abuse pas. Sinon quoi? Relevez-vous, les gars. Non, vous relevez pas, les gars, avant que je me mette à vous tirer dessus. Eh, c'est chez vous, là, Audi, ou pas? C'est le doc qui m'a demandé de me relever les boys. Le réveil d'Adjid de relever, on se lève. Hein. Ah, c'est une rébellion là? C'est pas une rébellion, c'est juste qu'on t'a donné ton argent, maintenant on n'a plus rien à faire ici. Ok, écoute. Je veux vraiment pas être. Me montrer sous un mauvais visage avec vous, hein. Là, je t'ai dit, la semaine prochaine, tu me ramènes mon argent, et c'est au moins de faire semblant tant que t'es dans la merde, tu vois. Fais au moins semblant. Attends, écoute, fais au moins semblant, dis-moi au moins, ouais, t'inquiète. Et après, dans une semaine, tu vois, tu mets une disquette. Et au moins, là, sinon, je... Je suis frangeux. Je te dis depuis le début, oui, j'ai une parole. Mais là, moi, toi, t'es frangeux, moi, je suis nerveux, j'ai envie d'arracher une tête. Comment on fait maintenant? Dis-moi comment on fait.
Dis-moi. Toi, tu veux faire quoi? Tu veux que ça soit un cercle vicieux? Non mais parce que là tu m'as énervé. Tu vois, non, depuis tout à l'heure je suis calme. Tu veux que ça soit un cercle vicieux? Non mais écoute. Tu vois, tu sais que la haine attise la haine. Je te pose des questions, tu me réponds pas. Tu m'as demandé 100 000 $ pour ton putain de phare. Je t'ai donné tes 100 000 $. Maintenant, qu'est-ce que tu veux d'autre? J'étais calme. Tu veux 100 000 $ et la semaine prochaine encore 100 000. J'étais calme. Et après encore 100 et encore 100. Et je suis plus calme. Comment on fait? Eh ben, il se passe rien et tout le monde rentre chez soi. Non, ce qu'on va faire déjà, c'est que vous allez tous aller un par un vous excuser à Phil pour ce que vous avez fait là. Et après, peut-être on pourra reparler des 100 000. On va pas s'excuser à Fils. Ah okay. Bon Pourquoi on parle de bon, Fils là. Vas-y, ça prévient, bon, on donne rendez-vous dans une semaine, on parle plus là, c'est bon? Non mais, c'est qui Fils? Il sont en train de m'énerver. T'as pris Hermano, c'est pour un con là, tu vois, il joue avec tes couilles. Énerve-toi, le Fils, on ira le voir, on ira lui dire pardon. Simplement, on vous dit à vous parce que c'est fou. Je te rappelle ce qu'on a dit avant de venir, je t'ai dit raisonnement si je vais en tuer un, mais là... Ouais, mais là, tu sais quoi, vas-y. Eh, vas-y, bute-en un. Vas-y, ça brille, bute-en hein. Non. Allez. Non, faites allez, pas venez, ça. Venez, faites pas ça, non. Allez, venez ici. La vérité. Non. On n'est pas obligé d'en arriver là, sa mère. Mettez-vous contre le mur. On va s'excuser, c'est bon, on va s'excuser. Oh la vérité. Contre le mur. On va jouer un petit jeu là. Arrêtez. Non, c'est bon, ferme ta gueule toi. Ferme ta gueule, va contre le mur là, tu joues trop avec nos couilles. Va contre le mur. En quoi je joue avec vos couilles? Je vous ai ramené. Va contre le mur, je te dis. Contre le mur, t'as dit là. Allez, on va faire un petit jeu. Vas-y, fais. Ok. On va faire un petit jeu. Le premier qui s'allonge, il survit. On parle plus fort. Le dernier qui s'allonge, il survit. Allez-y. Allez. Oh non, tu sais quoi? Non, on a tellement bien joué debout. Allez. Le dernier qui s'allonge, il survit. Le dernier qui s'allonge, je te promets, Sabri, hein, tu les butes tous s'il faut. Hein. Le dernier qui s'allonge, il survit, allez. Allongez-vous les gars. Le dernier qui s'allonge, il survit. Allez, vas-y, s'allonge pas. Allongez-vous, je vous ai dit là. Attends, la tête de ma mère, s'il faut. Ferme ta gueule, allonge-toi. Sabri, je te laisse carte blanche là, j'en ai plus rien à foutre. Allez, Sabri, le dernier qui s'allonge. Allonge-toi. Y a pas de caméra, y a rien du tout. Allonge-toi, la fin de ta gueule. Ça fait là, tout le monde meurt sauf le OG. Ok. Intéressant. Bon, écoute-moi bien. T'as une semaine. Mardi prochain, on revient à la même heure. Et tu nous ramènes notre thune, c'est compris? Vas-y. Voilà. Bonne soirée, les gars. Bonne soirée. Vas-y, commence. Et oubliez pas les excuses à Fils. Y'a pas de soucis, on va s'excuser. Merci. Conducteur, retourne avec lui. Tu vois, ça se passe bien comme ça. Mais pourquoi t'en as un buté au... Mais vas-y, j'ai pas envie de le tuer, frère. T'es une salope. Eh, hey, c'est vrai que t'es une salope, c'est vrai. Non, surtout le réfé. Le réfé, il a joué avec tes couilles. Il est resté debout jusqu'à la fin. J'en étais sûr que ça allait être lui. La tête, je l'aurais mis une jambe au moins. Votre collègue, il a un rendez-vous là-bas au cas où. Nous on y va. Tiens. Et tiens, ça c'est son argent, je te le donne. Est-ce que vous vouliez vraiment que j'en tue un là? J'ai tout sur mon téléphone. Non, pas du tout. Et ça a marché. T'as tout sur ton téléphone, ok. Donc écoute, il a dit aimer 30%, les traîner là. Voilà, bah à partir de là, on est des putes. Parce que nous, au ME, on n'a pas dit 30%, on a dit 20%. Ça veut dire là, c'est nous qui nous faisons baiser 10%. On leur a rien dit du tout. Hein. On leur a dit 20% ou... Ah, on leur a non. dit 30% s'ils nous ramènent 250 000. Au Familis déjà. Familis, c'est quoi le pourcentage? 30. Non, mais tranquille, on va lui expliquer. Ouais. Ça va mieux. Ouais, je te disais, nous, vu qu'on n'avait pas les pourcentages, on a fait un petit peu à l'instinct, quoi. Ça fait que là, ah ouais, vous avez fait du coup? Ben là on a récupéré de l'argent, mais sauf qu'on a promis des tarots à des mecs en pensant que tu nous ferais des très bons prix étant donné qu'on va te ramener beaucoup d'argent. Ouais, par exemple, c'est parti, par contre tu auras vraiment beaucoup de thunes. On espère que tu nous prendras 10%. Hein? Ouais. Hein. Attends, vous avez promis quoi au gang là? Nous on leur a promis entre 20 et 30. Ouais. Donc ça veut dire que ça passe par toi tu nous prends 10, nous on leur en prend 10. Mais attends, il vous a pas informé des... Je lui avais donné le pourcentage? Non. C'est sa faute. Ok. Après pour l'instant... Vous dit entre 20 et 30, mais vous l'aurez pas dit de chiffre exact. On leur a dit entre 20 et 30 en fonction de ce qu'ils nous ramènent. Ça veut dire qu'il y en a qui nous ramènent 600 000, là on leur a dit 20%. C'est-à-dire 20% après nous.
Donc toi tu vas prendre ta marge et nous il faudrait qu'on prenne notre marge aussi quoi. Oui, c'est ok, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est combien eux, les gangs, ça va leur... Combien on leur prend de pourcent à eux, les gangs. C'est ça qui m'intéresse le plus. Peu importe, moi, s'ils me donnent 600 000, en tout, ils perdent 20%. 10% de toi, 10% de moi. S'ils me ramènent 200 000, ils perdent 30%. 10% de toi, 20% de moi. Et quoi qu'il arrive, wow, t'auras des grosses sommes qui vont passer par toi, de toute façon. C'est possible. C'est possible parce que Bird de son côté, je sais pas ce qu'il fait de son côté, c'est possible. Qui ça, Bird? Mon associé. T'as un associé avec qui tu sais pas ce que. Ok, écoute, moi je vais te dire comment ça va se passer. Comment j'aimerais que ça se passe. Moi j'aimerais bien, si je croise un mec qui veut venir sur mon terrain, je sois en position. Oui, défends ton terrain. Si c'est ta question, défends ton terrain. Et je veux pas de galère de ouais, mais moi je suis l'associé de. Non. Non, parce qu'au pire des cas, il dira qu'il bosse pour moi et c'est pas possible. Et s'il bosse pour. Bird? S'il bosse pour Bird me l'aurait dit automatiquement parce qu'on passe par le même endroit en fait. Ok, donc la question c'est si on voit un mec blanchir, on le fume et ça fera oui, rien. Oui, après il y a plein de manières, mais vous défendez votre. Oui, non, mais t'as compris. Okay. Oui. Ok, ça marche. Ok, eh ben moi, faut vraiment que j'aille dormir. Depuis petit, on fascine, faut des lovés pour les filles ou elles vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent juste parce que je pourrais percer. Depuis petit j'ai des crocs, ils veulent ma peau mais n'ont pas eu les couilles de me chasser. Rien que ça parle dans